C'est bon. Bon, c'est bon. Ah, vous êtes les parents d'Eliott? Oui. On est les parents de Zoé? Bonjour. À 4, ça va être compliqué, hein. Madame Lombard. Lombard, ma gynécologue est malade. Est enceinte. Ça vous gêne que ce soit moi? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah ça alors, c'est... Ma femme. C'est mon mari qui me l'a ramené d'une réunion. C'était quand? C'était quand quoi? J'ai jamais trompé mon mari avant toi et je l'aurais jamais trompé si je t'avais pas rencontré, tu le sais très bien. C'est pas possible. Comment vous faites pour rester aussi calme, hein? Comment vous faites? Une grosse salope qui prend son pied en piquant les mecs des autres. Psst. Vous parlez de ma femme, là, je vous rappelle. T'es sûr que ça va? Pourquoi tu me demandes ça? On va pas les laisser tout foutre en l'air. On va se battre. Vous allez me dire tout ce qui va pas chez moi. Et moi, après, je vous dirai tout ce qui va pas chez vous. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Vous faites 20 ans de plus que votre âge. Quand on vous voit, on comprend qu'elle préfère coucher avec mon mari, votre femme. Alors vous? Vous avez de la cellulite en haut des cuisses. Vous avez une lingerie de petite fille de 12 ans. Et vous vous habillez comme une étudiante attardée. Ça vous va, ça? J'ai pas l'impression de la tromper. Moi non plus, c'est bizarre. Comment ça se fait? Carole, pousse-toi. Pousse-toi, Carole. Excuse-moi, je suis désolée, mais... T'es chiant, merde. Docteur? Excusez-moi, je pensais à autre chose. Oui, Berthier. Pourquoi tu m'appelles Berthier? Qu'est-ce que tu fous, là? Le train part dans un quart d'heure. Mais c'est pas une histoire de cul. Tu t'es trompé de chambre. Chienne. C'est une histoire d'amour. Non, mais te marre pas. Mais je me marre pas, c'est juste le mot chienne. C'est foutu, je vous dis. Réveillez-vous, merde! C'est la guerre! Tous les coups sont permis. Et c'est la seule façon de gagner.